Le cinématographe. Oui. Ben oui. Mais tantôt. C'est pas grave. C'est connexe à l'opéra, dans le fond. Hein. Il y a des fanatiques d'opéra. Oui. Et là, et en général, ils se posent des questions. Je sais pas si t'écoutes la radio des fois le dimanche après-midi ou le samedi après-midi. Toujours. Ils se posent des questions. Oui. Et là, je pense que ça, c'est pour les fanatiques de cinéma. Est-ce qu'il y a un jeu comme ça pour l'opéra? Je pense que oui, il y en a un jeu comme ça pour l'opéra. Oui. Mais écoute, ça, là, on regarde. On veut pas en parler tout de suite, mais on va en parler tout de suite quand même. Regarde, ça, là, on a regardé ça tantôt, là. C'est impossible de répondre à ça. Arrête donc. Écoute, c'est impossible. On a regardé les questions. Il faut avoir un intellect de 425 pour répondre à ça. Mais toi, t'en as un de ah ben, lâche-moi. Sinon, le triple. Pas en tout. Arrête. Non, non. As-tu essayé de jouer? Je sous-estime. Ben oui, je connais toutes les questions par cœur. Voyons donc. Bon, ça y est. Bon, ben écoute, il n'y a personne qui va vouloir jouer avec toi. Non, j'admets que moi, j'ai joué il y a un an pendant le processus. De l'année prochaine, en tout cas, du travail que vous commencez bientôt. Guy Bélanger, merci beaucoup pour votre magnifique voix. Oh, je veux corriger une affaire. J'ai dit à tout le monde que c'était en fin de semaine sur Andot. C'est pas en fin de semaine, c'est la fin de semaine d'après. Donc, pas la fin de semaine de la Fête des Mères, la fin de semaine d'après. Allez chercher vos billets tout de suite. 18, 19 et 20 mai au Stade Olympique. Gigantesque événement. Merci beaucoup à Paul Berval. Merci à Sorangèle. Pascal, investis ton argent dans ce duo. En fait, dans tout le monde que tu vas entendre là. Très bien. Autographe, que j'ai pas faire en fin de soirée, là. OK, donnez-moi une note. Maestro, donnez-moi une note. OK, c'est bon. Alors, essayons quelque chose, Sœur Angèle, Paul Berval.